Ici Fabienne Kola, actrice noire qui était jouée dans le film Barricade, Profond Regret, Pokina Paradis, Convoitise, avec un pile d'autres films haïtiens toujours. C'est moi qui t'ai porté film Minuit hein, pour nous. J'ai m'a profité de nous. Et un gros merci pour support nous. Jodi, m'ta remé partager et un petit causé avec nous. Moi t'ai une chance à apprendre l'histoire d'Haïti, histoire pays avec un professeur extraordinaire. Qui relait Michel Soukor, un historien. Grâce à lui-même, m'te vin connait côté me sorti, m'te comprendre qui est-ce moi yé. M'pensais faut que nous connait histoire pays. C'est donc avec un pile plaisir que m'a présenté nous une grosse émission historique rendez-vous avec histoire d'Haïti avec professeur préféré m'nan, historien Michel Soukor. On chit attendez. Le monde a parlé de question l'armée, force l'armée dans la politique avec l'histoire du pays d'Haïti. La plupart de monde parlait de lui pendant différentes périodes, de différentes façons. Il y a des gens qui disent que la première période, côté de l'armée qui a fait l'indépendance du pays, elle durait de 1802 jusqu'à 1806. Après 1806, l'armée a défendu l'intérêt des hommes d'affaires, commerçants, grands dons, militaires. Grand chef, grand chabrak. Période ça pral durer de 1807 à 1915. Et une troisième période qui commençait en 1915, c'est force l'armée que américain pral créer, pral contrôler, pral entretenir jusqu'à ce que de disparaître en 1900. 94. N'apprend première période là, période 1802-1806 là, période de l'armée indépendance là. En 1802, Napoléon Bonaparte, seul chef en France, pas accepté ça tout s'est ouvertu, seul chef dans ce domaine, voyait bal comme proposition que la France a prêté maîtresse colonie ce domaine, mais que c'est lui-même Toussaint qui a dirigé colonie sous base de la constitution qu'elle fait dans l'année 1801. Napoléon Bonaparte pas d'accord, lui voyait bon frère. Général Leclerc, avec des dizaines de milliers d'hommes bien armés, sous combien de bateaux, pour craser Toussaint, mettez l'eau pas. En 1802 donc, après défaite Toussaint face à l'expédition Leclerc, force l'armée Toussaint yo te suspendre Goumen, et en apparence, on dirait que t'es rentré dans l'armée. Que la France te voyait pour le contrôler colonie. Mais yo pas perdu tête yo parce que faut nous dire tout. Leclerc pat voyo la caillou. Les kembe officier yo dans gradio et surtout cultivateur ancien esclave qui était en pile dans la main indigène dans la main Toussaint. Yo kembe zam yo. Et ça pour nous signaler tout, te gon paquet de bon marron qui te toujours bay problème nan mon yo et qui pas de jambe d'accord ni à politique blanc français ni à politique tout sans l'ouverture surtout nous a fait question la terre.
Après arrestation, Toussaint Louverture avec André Rigaud, ils vont en prison en France. Blanc français écrasé, vite et pressé, tout le monde, noir comme mulat, ancien libre comme nouveau libre, qui te vle, on dirait révolté. Mais un pile et tout que blanc français t'a pas le commettre. Yo pas de quoi que masse cultivateur yo. Yo était marié comme ça avec l'amour liberté. Yo pas de bien comprendre volonté chef ancien libre nouveau libre nèg qui était dans l'armée Rigaud nèg qui était dans l'armée Toussaint. Yo pas de comprendre, yo pas de connaître volonté nèg ça yo. Pour jouer un gros rôle dans la politique coloniale. Blanc français a tout pas de quoi que indigène yo t'es capable de servir avec tout avantage que climat tropical Saint-Domingue. Mon Saint-Domingue t'es capable de bayo si yo t'es décidé faire la guerre tout bon vrai. Et militaire français ou t'a pas le commettre un gros erreur c'est que yo t'es voulu retirer zam dans main cultivateur yo. Et cultivateur était toujours songé. Le son tonax t'a pas aboli l'esclavage, dit te dit yo, mes am nou. Moun ka vle retirer zam sa nan men nou, la vle fè nou retourner esclaves. C'est ça que fait. Que tentative ça, politique ça pral échouer. Ou le cultivateur remet zam yo bay le clair, yo commence à révolter yo tipil pa tipil. Pendant que officiers avec soldats indigènes qui te connaissent que blanc français t'a surveillé yo yo t'a réfléchi qui Jean pour te commencer à attaquer militaires français général Jean-Jacques Dessalines qui t'a pral en 1803 chef là mais indépendance là li ton maître pour te tromper politique civile rapporté que blanc français t'a fait sous lui. Mais pigo erreur blanc français pral fè. C'est le pral fè moun en Guadeloupe retourner dans l'esclavage et les nouvelles ça arrivé dans ce domaine. Bagay ça pral ouverger ni noir ni mulat et ça pral pousser ni noir ni mulat révolté yo puis plus et puis bonnet. C'est comme ça donc pas groupe pas paquet pas masse. Officier avec soldat pral entrer dans résistance la contre blanc français et pral gagner yon union sacrée yon mariage qui pas un mariage qui fait sous base rien mais non mais sous base réflexion en différents groupes qui étaient dans société ce domaine là qui était l'ennemi ou pral gagner ancien libre qui ont été relé affranchi trois calade ont été mulat. Yo te partisan André Rigaud. Ou pral gen nouveau libre tout, toi kalade yo c'était moun noir yo teye, en pile la de yo c'était partisan Toussaint Louverture. Ou pral gen mas cultivateur ancien esclave qui pral met tête yo ensemble parce que yo tout refusé que blanc français fait retourner dans l'esclavage ou bien fusiller yo ou bien voyer yo en exil. C'est comme ça dans la carrière le 18 mai 1803. Dans la cour grande guiton, yo pral font gros réunion, gros cérémonie vodou. Côté yo pral sceller union sacrée ça, yo pral confier commandement bataille là bas général Jean-Jacques Dessalines. Yo pral crayon drapeau national bleu et rouge. Peuple indigène n'a te prend les armes contre la France. Il était juré que le tap vive libre ou bien il tap mort. Le ça donc son politique coupé tête boulekay empoisonné toute source de l'eau servi à tout problème qui t'est gagné entre la France yon bon blanc anglais à blanc américain yon l'autre
servi avec blanc anglais à blanc américain, même j'ai tap servi avec yo parce que blanc ça a pas de vle que blanc français te seul mettre dans ce domaine encore. C'est comme ça ancêtre nous yo nan servi à compte chirépite qui te gagné entre grand blanc yo vinn libérer territoire ce domaine là de toute domination blanc français après une guerre qui fait 50 000 moun mouri dans camp français, 60 000 moun mouri dans camp indigène. Pays a été écrasé, pays a été brûlé. En janvier 1804, l'armée libération nationale là t'après le rebaille Tessa non indienne Haïti. C'est ton acte politique, c'est ton acte culturel qui t'a montré que nous t'es cassé toute bagaille, tout ça, toute code qui t'a marré nous avec esclavagiste, colonialiste, raciste et nous remarrer code nos brit nous avec un passé indien que conquête blanc panyol avec Christophe Colomb t'écrase en papier. C'est comme ça donc que l'armée ça t'est fondé premier état libre et indépendant en Amérique latine qui t'est relé Haïti. Ces premières phases, premiers moments, histoire, force l'armée dans le pays. Moment ça, il commence donc en 1802, il finit en 1806. C'est le moment qui relaie l'armée libération nationale, là, l'armée indépendance. Là. Deuxième moment, il commence en 1807, il finit en 1915. C'est ça les forces l'armée qui parle au service grand propriétaire terrien, grand général, grand commerçant, grand homme d'affaires qui parle défendre intérêt monsieur ça. L'indépendance là donc, les proclamer. Premier gros problème qui parle poser dans pays là, c'est qui est-ce qui a gagné vraiment la terre? Parce que la terre c'est premier source richesse. Jean-Jacques Dessalines que tout général pareil yo nommé d'abord gouverneur à vie. Après ça, monsieur vin nommé tête li. En peu ouais. Yo pral touyel en octobre 1806 pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que n'a fait chercher qu'on est qui est-ce qui bon mettre. Qui est-ce qui mauvais mettre. Li pral chirer bon papier, li pral chirer mauvais papier tout. Deuxième raison, c'est qu'elle te dit pas gayo qu'un commerçant qui gagne droit vendre denrée sans que li pas payer ça le cultivateur ça le l'état. Troisième raison, li te vle contrôler tout commerce voye vendre l'autre bo acheter dans l'autre bo tout. L'autre raison tout c'est que li te vle que l'état te contrôle un bon parti dans l'économie pays. Grand général qui sorti originio c'est gwa franchi. Un général tout qui sorti originio c'est esclave. Ça veut dire que général ancien Rigaudin comme go général ancien partisan l'ouverture qui au même te voulait remplacer colon yo pour jouir richesse pays a yo tout yo mauvais contre Dessalines. Et yo tout yo te joine puissance, yo te joine prestige dans victoire que te remporté sous blanc français. C'est comme ça donc l'armée tout normal. Et nous parlons pour qui raison? C'est lui-même qui pral crêter dans place côté lié à, et c'est lui-même tout qui pral contrôler pays. Monsieur général Sayo, il a dirigé l'armée et l'armée comme institution pral paraître premier gros institution dans l'histoire pays. Pour qui raison? Tout d'abord, fon terété avec zam nan men nou parce que nous te pensé français ou t'a retourné. Fon déparer pour nous gommer contre.
Deuxièmement, l'on est goûté gros général ou gros officier. Ça te permet que ou te dominer toute l'autre couche sociale en nan pays et surtout ça cap travail nan campagne. Chaque chef militaire qui te gen ambition te vle kembe yon force en bamen qui te force l'armée que le tap contrôlé a de façon à ce que pour le capable imposer ambition politique li. Et c'est comme ça depuis là ça pour algon la fièvre pour nèg gen grade et pour algon la fièvre tout pour nèg révolté ticric ticrac. Révolte ça yo ou pral wè c'est soit des moun qui gen pile té qui veut jouer un rôle politique qui déclenche yo ou bien soit des général des officiers que yon secteur commerçant par exemple surtout à manipuler à financer yo besoin met au pouvoir yon militaire qui capable permettre yo joindre yon contrat qui pral permettre yo fran pile l'argent. Mais faut nous signaler que force armée yo surtout yo pral manipuler en pile à partir de deuxième moitié 19e siècle là c'est période ça côté on pral gagne en pile étranger qui gagne gros l'argent dans main yo qui pral venir chitan en Haïti et qui pral faire politique l'argent dans rale ficelle en pile gros général sorti 1807 rivé 1915 ça y relé par habitude l'armée haïtienne qui salte. C'est un pile individu qui pas tellement gen rapport ou na clotte qui ont été à droite à gauche surtout dans campagne chef section ont été ramassé yo commandant d'arrondissement ont été ramassé yo sans que yo pas de garde qui l'a gagné qui ça au café petite qui moun yo teye. La libération nationale là c'est pas dicté là encore. Te gon mariage qui te fait entre pouvoir politique, pouvoir militaire avec moun ki gen pile té, moun ki gen gros commerce et bagay sa a fin fait nan période 1807-1819. Et toute activité politique générale yo, c'est ça qui pral servi principe, c'est ça qui pral servi loi nan formation toute révolte de force armée ou bien de bande armée qui pral gagner nan période ça. Alors élément qui était représenté, qui était formé force armée ça yo. Yo était représenté en catégorie de monde que officier yo était capable faire ça yo vle avec yo. Selon officier Alexandre Delva qui était vivre dans période ça, il dit que l'état encore yo menti. Même si vous capable dit que 8 éléments sur 10 qui était dans force armée ça était sorti dans campagne parce que nous croyons que il était plus que près de 13600 hommes général était prend habitude puis était prend un peu plus que 2 garçons sur 100 garçons dans campagne c'est un bagage qui était immense l'autre considéré population Haïti à l'époque ça en 1867 cependant politique exploitation totale capital ça sans pitié de masse rurale yo pral provoquer dans masse rurale des révoltes. Des révoltes contre pral paysan yo pral organiser propre force l'armée yo pour défendre propre cause sociale yo, propre cause économique yo tant qu'en 1843 avec Jean-Jacques Acaro qui était à la tête chef armée paysan qui était gain pic dans main yo qui était les piquets que te relé l'armée souffrante ça veut dire ami moun k'ap souffri yo paysan yo petit que histoire pays a développé conditions matérielles existence paysan yo pral vin plus difficile et ça fait grand pile mon misérable dans paysannerie paysan santé qui pral pour yo vivre vin fait tête tourner des mercenaires le ça si un général grand don besoin yo faut le payer yo. Si un politicien la ville besoin yo faut le payer yo pour tirer fusil pour yo qualité politique pour enrôler moun za yo pour servir avec yo ou pral joindre ni jusqu'à ce que américain envahit pays en 1915 ces paysans sa yo que ou pral rele kako dans nos pays surtout.
Nous arrivons qu'on y a là dans la troisième période, que y aurait la période l'armée que américain force armée que américain mettait sous pied. L'armée libération, l'armée pays, l'armée qui fait indépendance là toute bon vrai. Te disparaître dans commencement 19e siècle. 100 ans après, l'armée qui était relée tête armée nationale là, mais en réalité qui t'a défendre intérêt grand propriétaire terrien nèg d'affaire la ville occupation américaine voulait l'aller. Gon traité qui fait qui traité 16 septembre 1915 qui pral faire Haïti tourner un territoire que américain protégé. Les États-Unis voulaient aller donc force la mer. Li retire zam nan men tout civil haïtien qui te gen zam. Il pral organiser yon appareil militaire haïtien qui pral travail la main dans la main avec marine américain pour craser paysan qui révolté contre occupation américaine pour organiser et mettre sécurité structure organisation qui a metté dans pays a pour capable même réaliser ambition pa yo qui ambition yon pays impérialiste. C'est comme ça donc institution militaire ça que était les gardes d'Haïti a yo pas l'organiser d'abord pour te ranger et développer route li pral mettre l'école primaire dans campagne li pas organiser la police tandis que marine américain yo t'a pral défendre territoire piti noyau ça. Ti organisation ça américain parle l'île d'abord gendarmerie d'Haïti. Après ça garde d'Haïti. Yo pas l'organiser, yo pas le développer pour venir tourner seul force l'armée sur territoire haïtien à partir de 1934 année côté occupation américaine fini sous président Stéphane Vincent. Cependant, on nous bien dit à cause de gens américains étaient formés force l'armée ça que était les gardes d'Haïti a c'est ton force police li pas de fouti défendre territoire pays a malgré que yo te fait vinn que le te changé non nous pral wè ça bien lorsque en 1937 président dominicain général Trujillo te massacre un paquet haïtien République dominicaine Haïti pas de gon force l'armée pour te défendre pour te remettre qualité soufflette ça. J'ai l'ami d'Haïti, a garde d'Haïti, a c'est ton force police que le t'ayé, li pas ton force militaire vrai. Li était capable craser haïtien qui était voulu révolter contre système américain te mette ya, mais pas fouti défendre Haïti, l'on pays étranger t'a manqué le dégât. Malgré que en 1934, li rele garde d'Haïti. En 1947, li vin tourner à Med Haïti. En 1958, devine tourner force armée d'Haïti, les pas jambes yon l'armée tout bon vrai. Ça pour nous bien comprendre, c'est que américain créé et yon continué après que yon soi-disant retiré contrôle yon sous pays a, yon continué soin yon instrument que yon rele garde d'Haïti ou bien l'armée d'Haïti. Pour surveiller la vie politique pays a et puis pour yo entrer la donne les yo vle selon intérêt yo. Pendant longtemps c'est yo même qui a dirigé force ça grâce à une série de haïtiens qui entrer la donne qui sorti en pile là de dans classe moyenne parce que bourgeoisie haïtienne pas jamais encouragé tout bon vrai que petit li rentrer dans l'armée. Force l'armée ça, jamais que te concevoir là. C'est lui-même qui pral fait passer volonté américain dans tout événement qui pral fait important dans pays a que ce soit en 1946, en 1956, en 1986 pour empêcher
une série de forces sociales, forces politiques, changer structure là, changer situation hein, qui t'a parlé bien dans le sens intérêt américain, dans le sens yon secteur dans bourgeoisie haïtienne et yon secteur de classe moyenne haïtienne. Mais en même temps, il y a des gens dans le pays qui continuent la tradition, la résistance qui était gagnée dans le pays. Il y a des gens qui vivent dans la zone rurale qui ne sont pas contents du régime COVID, travaux forcés, travail dans la route, c'est un pas payé, que l'Amérique est installée dans la campagne. Les gens qui ont marié saucisse, une série de gens qui vivent la ville, qui ne peuvent pas admettre que l'Amérique a pilé la dignité de la dignité citoyenne. Après que l'Amérique ait écrasé le premier mouvement Kakoa dans le nord avec le nord-est, dans le commencement de l'occupation, Charlemagne Peralt, ancien officier armée nationale, que l'Amérique était voué à aller, que Mérine Amérique était humilié, pour rassembler quelques centaines de paysans pour être capable de faire guérilla dans le plateau central, il pour menacer le département nord, il pour même lancer une attaque contre la capitale Port-au-Prince. Les pralmènes ont guerre, une véritable guerre avec éléments populaires. Peralt, après lui-même successeur, Benoît Batraville, à cause de l'action, ses dernières tentatives sérieuses pour construire une armée populaire sur le pays d'Haïti, et à cause de lutte libération nationale qui ont mené contre l'occupation américaine. Force armée paysan ça, c'est lui-même qui était seul héritier depuis 1807 à l'indépendance des Salines. Pour craser la misère, Américain servi première fois en Amérique latine avec avion. Depuis assassinat Peralt avec Batraville, l'armée américaine avec l'armée qui américaine était créée qui prend relais gendarmerie d'Haïti, l'armée d'Haïti, force armée d'Haïti, c'est lui-même qui prend occuper scène militaire là et contrôler événements politiques jusqu'à ce que lui disparaisse en 1994. Mais cependant, en deux périodes de 1915 à 1994, il y a un moment dans l'histoire ça pour nous bien comprendre ces moments 1957 jusqu'à 1994. Là. En 1957, François Duvalier installé président de la République. Grâce à une série de manœuvres que l'armée a fait. Et dans la mesa, il y a une série d'officiers qui étaient sortis de la classe moyenne, qui étaient des valeuristes. Et c'est eux-mêmes qui ont mené la manœuvre pour installer François Duvalier comme président. La majorité des officiers, ils ont besoin de monter en grade. Ils ont besoin de gagner des postes dans les mains. Qui t'a permis de gagner un vrai pouvoir pour faire comme facile. L'économie pays à l'époque de Chita, sous produit sucre, produit pit, produit café, avec tourisme. Toute qualité produit ça, avec activité touriste là, y a rapporté en pile l'argent, surtout sous gouvernement général Paul Magloire. Mais à partir de 1954, il était commencé à rapporter moins. Rivé occupé une série de fonctions importantes dans l'armée. Dans tête en pile officier ça yo, c'est ça qui te semblait takabayo garanti pour yo même madame yo petite yo pour l'avenir. N'apprenne que nos lettres que l'écrit le 21 juin 1967 à homme d'affaires partisan Clément Joseph Charles, François Duvalier reconnaît que pendant la campagne électorale 1957 là,
Clément Joseph Charles t'a fait le joindre $400,000 américains pour le te remettre Léon Cantave, à l'époque chef d'état-major général la MEA, pour que général Cantave t'es capable de faire payroll en dans l'armée. Pas juste ça, François Duvalier t'es presque de la MEA dans poche li pour faire élection pour lui, parce que pas juste ça, Duvalier était sûr que le tabgenamen yon instrument qui d'habitude toujours joue un rôle important dans la politique pays, surtout dans fait décider qui est le président pays. Dans lettre là, il dit, Jean l'écris là, depuis les journées mémorables de la campagne électorale de 1957 et plus particulièrement celle du 25 mai 1957, où vous m'aviez permis de trouver l'argent qu'il fallait à Cantave pour payer l'armée à un moment crucial de notre vie de peuple. Ce chef d'état-major d'alors, qui était le président de la junte, aurait remis sa démission s'il n'avait ce pactole, l'argent, lui permettant ainsi de payer les soldats des forces armées. C'est comme ça que travaille François Duvalier pour le vice-président. Le vie n'est pas facile parce que M. Sayo était lui-même un monde qui était capable de tirer ficelle. Mais le travail du Valier est facile tout pour le Kembe pouvoir, pour le capable de diviser l'officier Sayo, une contre l'autre, pour lui-même Kembe pouvoir, parce que l'officier Sayo était soif, était corrompu, et il était capable de corrompre. C'est lui-même qui permet François Duvalier compte qui Jean pour jouer en institution militaire, faibli en institution, mettez en institution avec nan pays a yon climat côté tout moun pe. C'est officier ça qui entraîne corps volontaire sécurité nationale Tonton Macoute que François Duvalier créé en 1958 jusqu'à ce que Tonton Macoute yo nan men dictateur ya vignon zame pour le faire mon peu, et surtout yon instrument yon zame face à l'armée pour contrôler l'armée et pour le dire attention. Nous pral tande François Duvalier kap pale a patizan yo a Macoute yo langage la cru li pral proclamer tête li président à vie. Nous prenons le temps langage qui sont mélange folie grandeur, vulgarité et sauvagerie. François Duvalier, petit médecin, un véritable triomphateur, comme on savait recevoir les empereurs romains, soldats, miliciens et volontaires de la sécurité nationale, qu'y a-t-il donc un nègre dans le bassin des Caraïbes organise ses forces de combat, les soldats et les miliciens. Nous prenons pouvoir. Son homme comprend. Vous comprenez-moi? Qui que vous soyez, qui que vous soyez, on pouvoir que le peuple a bombé et que me prend et que me prend net. Son homme comprend pour virer le corps à droite et à gauche, ma faible d'art passe dans le pouvoir. Ne pas permettre aucun étranger vienne faire la leçon au docteur François Duvalier. L'entendez, bah là où Jean, vous comprenez-moi?
Nous c'est haïtiens, nous comprenons ça, me dit nous. L'ensemble des bagages là, on vous comprenez, oui? Nous n'avons pas besoin d'ordre, nous rentrons par ton prince. Nous venons tout occuper par ton prince. Pour nous comprendre, l'esprit m'écoute là, mentalité m'écoute là, réflexe m'écoute là. Nous pas attendre yon monde qui était une pigou dont on m'écoute sous les Duvalier. Nous pas attendre Roger Lafontaine qui Jean li parler. Je dis que vraiment dont on m'écoute et d'après monde qui a fait miel. Et que me dit moun ki renié d'être li pas moun. J'ai été vraiment, mais là dit que m'te chef Toto Makout, on connaît très bien, même qui a parlé avec moi là, c'est madame Max Saldorf qui était chef militaire. Mais son gros militaire qui a parlé là vraiment. C'est pour n'est qui n'a caca avec personne. Mais comme Duvalier pas jamais menacé été américain. Ni était grande bourgeoisie traditionnelle haïtienne. Sauf si il pas de voulait partager gâteau pays avec elle. François Duvalier, sans le pas de gagner, il y a un bon genre d'aide financière qui était sorti dans pays étranger. François Duvalier, que grand propriétaire foncier était soutenu, c'est comme ça donc que le plan réussit qu'il y a pouvoir. Pendant 14 ans, de 1957 à 1971, il pral changer qualité monde qui dans l'élite la meilleure. Li pral mettre la donne des moun qui sorti dans classe moyenne, certains plus ou moins affaire était bon, l'autre qui était pauvre, et nan rein la meya, en bas la meya, nan base la meya, li pral mettre en pile nèg que société a te gardé comme suspect, qui te gain des dossiers qui te louche. Mais yo tout yo te quoi nan sa rele idéologie noiris la. Yo te kwè que pouvoir Duvalier a son pouvoir moun noir qui pour empêcher mulat retourner. Yo tout senti que fort te reconnaissant devant chef révolution Duvalier risla qui te permet yo piller ressources pays a même si yo t'a crasé la vie, même si yo t'a volé bien reste population. Yo tout yo te solidaire régime nan parce que yo tout yo t'a baigné dans sang, yo t'a baigné dans l'argent volé. À 14 ans, François Duvalier collaborer tout avec service espionnage pays étranger sans pas jamais accepter que pays étranger formé service militaire espionnage parce que les pas de fini même j'avec président Dumas estimé que le te que l'armée était renversée en 1950 parce que l'armée était contrôlé directement par Américains. À l'époque, Duvalier était ministre estimé, ça était maquel, l'olte ouè qui Jean, Américain, était rentré toute longueur en dans la meya, il était metli. C'est ça que fait, l'olte pour arriver à contrôler la meya, il pour dire lui-même que le retirer dans la meya, rôle ça, pour le capable voyager ton président, n'importe qui l'olte. Fin années 50, commencement années 60, l'ol pral joindre entraînement l'armée avec comme akout la. Nommé Marine Corps américain, li pral fait et défait dans tête l'armée. Li pral voye aller des dizaines et des dizaines de haut gradé. Li pral remplacer yo avec officiers que l'te contrôlé. Le 8 juin 1967, à 2h30 de l'après-midi, dans la Koufo Dimanche, Libral fusillé 19 officiers. Et c'est à Men que le Pral écrit l'is regradé qui pour exécuter 19 officiers saillants. Selon ça, général Prosper Avril, apprenne-nous dans le livre Révélation sous la médaille. Mais liste. Au gradé ça que François Duvalier était fait exécuter officier pareil.
Général Gérard Constant, chef d'état-major. Colonel Laroche. Colonel Gracia Jacques. Lieutenant-colonel René Prosper. Lieutenant-colonel Jean-Baptiste Hilaire. Colonel Octave Caillard. Colonel Breton Claude. Lieutenant-colonel Luc Pierre-Louis. Lieutenant-colonel Mercius Rivière. Lieutenant-colonel Max Dominique. Major Jean-Thomas. Colonel Claude Raymond. Colonel Fred Harty. Lieutenant-colonel Franck Romain. Tandis Jean Lepral parler de militaires. Le 26 avril 1970, deux jours après, révolte Kogat Kotla, qui te gen à la tête li, colonel Octave Caillard. Les militaires, mes chers concitoyens, est fait pour obéir et non point pour dicter des ordres à des hommes d'État. Puisque la Constitution haïtienne, actuellement en vigueur, déclare l'armée que l'armée est apolitique. Avant de mourir en 1971, François Duvalier, l'elfine connaît quelques mauvais moments dans la relation avec les Américains, l'arrivée réconciliée avec eux. Depuis surtout que le service secret américain CIA a participé à l'écraser les jeunes communistes en Haïti, surtout en 1969. Sous Jean-Claude Duvalier, qui vient président le papa le mourit en 1971, Américains créaient Coléopa pour le former encore qui capable goumen contre guérilla communiste. Les ba en pile cob en pile entraînement pour unité tactique caserne les salines pour service investigation militaire. Il poussait Jean-Claude Duvalier réouvrir académie militaire que papa le défermait. Papa était une académie militaire yon danger parce que dans tête pâle ta capable gagner une série d'éléments qui tape intellectuellement trop avancé et sous plan économique et social qui pas tape reconnaissant envers lui-même. L'armée Duvalier fils, l'armée Jean-Claude Duvalier, ou pral gen la donne comme jeune sous-officier et officier, des mouns qui sorti en pile famille duvaliriste. Yo même papa yo, militaire ou bientôt Tomakout, te bénéficier faveur système nan depuis 1957. Yo gen deux formations en tête yo. Formation américaine nan parce que pral joine bourse pour aller étudier aux États-Unis avec formation du Valéris là. Nouveau dirigeant militaire sa yo le 7 février 86, le Jean-Claude Duval est tombé. Yo t'a pral rivé non situation qui te mandé intelligence politique. Yon vision des événements. Alors que yo même, les Duvaliers en général t'interdit toute habitude, tout droit tout yo penser par yo même, mais en même temps, yo t'ai quitté yo tout moyen pour être capable de faire cob, que ces moyens faciles, que ces moyens illégaux, tant que contrebande, trafic de drogue, etc. Et en même temps tout, militaire ça yo, américain t'ai contrôlé. Yo pas de gagner donc pas yo même aucune habitude de penser libre, aucune marge de manœuvre. Nous pral tande général en chef l'armée à l'époque, le Jean-Claude Duvalier Paty, général Henri Nanfi, qui a annoncé que l'armée prend contrôle pays. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Fait par le national ce 7 février 1986.
Le 7 février 1986, l'armée qui était définitivement pourrie par 29 ans de corruption, seulement, celle baalité qu'on fait, c'était faire répression, les pattes parées donc pour assurer direction pays. Éducation de recevoir, c'est camper face à masse populaire. Et c'est ça que fait. Seul comportement le pralguin depuis 1986, c'est montrer toute technique répression, toute technique provocation pour le craser mouvement démocratique et populaire. De 1986 à 1989, crise économique là a vint plus grave, institution l'État a vint plus fragile, corps social là a vint en plus mauvais état. De plus en plus vinait impossible pour moun jeter en Amérique du Nord ou bon l'autre côté. Tout ça pour le fait chaleur monter dans mamite pays. Mais la médaïti qui pas capable de comprendre ni te vle résister à tout mouvement ça yo. Et c'est lui-même qui pral fin pas éclater. Le 20 juin 1988, même professeur Leslie Maniga qui était mis au pouvoir 4 mois avant, l'AMEA pral renversé. Nous pral tendez général Henri Nanfi qui parlé dans l'occasion ça. Même qu'on est déjà, nous sentons, nous comprenons, et ça que la paix d'Haïti ça, pour nous monter, pire tout le temps, parce que nous-mêmes c'est soleil n'a pas gardé, soleil d'Haïti, soleil nec d'Haïti, rien meilleur, et nous faut jurer, n'a défendu jusqu'à notre mort, même s'il le faut. Mais tout là, le disposé pour mourir. Est-ce que la mourir général? Oui, la mourir. La mourir. La mourir. Eh bien non, ça n'a pas fait, parce que nous-mêmes peuple là, nous là avec la mère et la mère là avec peuple là, avec qui le, c'est pas la mère seulement non, c'est tout le monde qui est la mère Goulien. Parce que c'est la mère ça qui va le mener hier, j'ai pour le mener là, j'ai pour le mener là quoi ça. T'as une confiance, t'as la mère confiance, même fais nous confiance nous. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Vous voulez à tout piquer mes pouvoirs, dans toute bagaille, de tous côtés. Et même pouvoir ça, pas l'éclater en deux fois. Lorsque général Nanfi, garde présidentiel, l'a pas renversé en septembre 88, deuxième fois, le pral gon coup d'état raté en avril 89 contre général président Prosper Avril. Et en un moment ça, faut moun poser tête yo question. Nan moment ça, côté l'armée pa vinn pi faible. Faut moun mando comme un général président que tout moun te connaît qui te gen des liens très étroits avec service secret américain pral prendre une décision qui gagne toute conséquence ça. C'est vrai à aller coller ou pas avec unité tactique caserne des Salines qui était deux corps bien importants en dans force armée d'Haïti. Est-ce que l'armée que l'Amérique était toujours considérée comme un bâton en main devient tellement pourri que le pas de servir à elle encore? Est-ce que l'Amérique était déjà décidée pour le mettre sous côté héritage du Valier en même temps que le tapral rebâti yon institution qui t'a plus semblé avec une vision que le commencé gagner depuis que dans le monde la guerre froide finit, rivalité communiste capitaliste finit, les gains bataille la contre communiste et mur de Berlin tombé. Il est très important pour moun joindre réponse à question ça. Mais moment décisif là entre 1990 et 1994. D'après témoignage général président Prosper Avril, unité tactique
qui était dans la province. Le voyage à la caserne de Saline avec Cordelio Pare, il y a un pile ancien membre conseil qui peut aller rejoindre l'unité qui était dans la province. Nous prenons le temps de général président Prosper Avril dans la conférence de presse que le Tébaï en avril 1989 après tentative coup d'état contre pouvoir. Nous prenons le temps de mais tendez bien. Il y a un côté ambitieux mais il y a un côté prophétique dans sa labdia. Voilà l'histoire de la prise des casernes de Saline. Maintenant, c'est la garde présidentielle qui occupe ce bâtiment et le pays a perdu un bataillon professionnel et entraîné. Le sort des casernes. Nous sommes en présence d'une unité qui, en principe, a disparu. Les casernes sont occupées par les enrôlés de la garde présidentielle. Mais un communiqué du grand quartier général a déjà invité tous les enrôlés des casernes de Saline, tous les officiers, à se rapporter au grand quartier général. Et le haut commandement des forces armées d'Haïti va étudier comment les utiliser, comment utiliser ceux qui veulent et ceux qui peuvent travailler encore au maintien de l'intégrité de ce territoire que nous avons juré de défendre. Les léopards, toujours dans la même ligne que nous avons choisie. Nous n'avons pas fait comme on l'attendait, un assaut immédiatement après les casernes, prendre les quatre, les tanks qui nous restent, les véhicules blindés qui nous restent, l'artillerie que nous avons, pour aller au camp des léopards et semer la terreur et la destruction. Non, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes retournés au dialogue. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Dans ce combat, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Le pays a perdu. Les gens pensent que nous voulons rester au pouvoir. Nous ne voulons pas rester au pouvoir. Mais nous voulons faire quelque chose de définitif pour notre pays. Et si nous autres, qui sommes militaires, nous nous trouvions dans la position de subir ce genre de sévices, je ne vois pas comment un civil peut venir faire ce travail. Je ne le vois pas. Les gens qui pensent qu'un civil peut le faire, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Parce que le civil est peut-être beaucoup plus facile à manier. Quand moi, qui ai cette troupe qui a prouvé sa fidélité à ma personne, j'ai pu subir ce que je viens de subir, qu'en est-il, qu'en serait-il d'un civil? De mars 1990 à février 1991, le ça, c'est juge Jean Pascal Trouillot qui était président provisoire. Pral conseiller deux actes que officiels haïtiens avec étrangers pral poser qui montrait que yo pas de fin quoi dans capacité avec volonté l'armée puis était garanti sécurité élection démocratique puis était garanti résultat élection ça. Nos visites dans Port-au-Prince avant l'élection SAO, qui t'a pas le fait en décembre 90, que vice-président américain Dan Quayle à l'époque l'a fait, Dan Quayle t'a dit, Américain pas toléré coup d'État en Haïti encore. En même temps, États-Unis avec Canada t'a insisté pour que le gouvernement provisoire d'Haïti a invité l'ONU avec l'OEA organiser, superviser l'élection. Le sa, une mission militaire qui t'a venu pour assurer sécurité avec l'ordre dans le pays. Élection Haïti est venue en question internationale. Li t'est venu application en théorie qui t'a dit que faut grande puissance yo gen droit fourer bouche toute longueur dans affront pays de peut estimer que droit monde menacé, que démocratie menacée. C'est ça été les bases nouvel ordre mondial là depuis que guerre froide là t'est fini, que communiste t'est perdu bataille là devant capitaliste qui gagne américain à la tête yo. Non premier moment, ou gagne impression que dirigeant la méo t'est les comprendre moment historique ça. Le t'est réalisé performance mettez sécurité dans journée 16 décembre 90 là
qui te est victoire, candidat et un prêtre populiste, Jean-Bertrand Aristide. Nous parlons de même mauvais esprit ça, qui te baisse dans la tête impérialiste romain et que Jésus te combatte. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas même mauvais esprit ça qui t'a dansé dans la tête Somoza et que chrétien a nicaraguayen conséquent te combattre? Pas mauvais esprit comme ça. Est-ce que ce n'est pas même lui-même qui t'a dansé dans la tête Batista dans Cuba et que Fidel Castro avec l'autre Che Guevara te campé pour combattre? C'est même Dieu l'esprit ça que nous avons combattre. Là où est notre palais, ces militaires rejoignent, c'est même manifestation de l'esprit Satan. Nous l'emmenons parce que nous ne sommes pas capables. Petit diable, Satan, c'est Satan. Songez que blanc américain, particulièrement gouvernement américain, a envahi l'Amérique latine 705 fois. Pendant 705 fois, nous découvrons griffe mal finie ça en Amérique latine. Il y a une espèce d'aigle qui symbolise, mais pour nous-mêmes, son mal fini sauvage, qui a marché chercher, prend innocent, manger. 705 fois, nous découvrons intervention blanc américain en Amérique latine. 270 fois dans 705 ans, c'est au Mexique nous avons rencontré. 92 fois, c'est Cuba nous avons rencontré. Quand il y a 40 Cuba, le capilé de Cuba, Cuba dit, yo, mais quoi maman, mais quoi papa, sous capable d'une pirelle. Est-ce que nous-mêmes tous, nous ne pouvons pas un jour pour nous être fiers de payer nous et pour nous arriver à être compétitifs blanc américain, mais quoi maman, mais quoi papa. Maintenant, nuit 6 à 7 janvier 91, Dr. Roger Lafontaine, symbole du valérisme, ancien candidat à la présidence dans l'élection 16 décembre, vient d'entrer dans le palais national là, non tant et bizarrement, porte-palais à que militaire censé gagner en bas contrôle, porte ouvert pour lui. Heureusement, à l'époque, que mobilisation peuple a immédiatement qui encercle Paléa, Kimbe Lafontaine en échec. Mais ça n'a pas empêché, avec raison, qu'un pile monde suspecte dans la population que l'armée complice dans la tentative ça pour voler le résultat de l'élection dans la main du président élu Jean-Bertrand Aristide. Aristide lui-même, qui était méfiant, même Jean tout, depuis la prestation de cérémonie, ça le bras le fait. Li pral mandé chef la mère général Abraham pour le renvoyer membre état-major. Li même commandant chef là, il pral voyer l'aller 3 mois plus tard. Gon corps qui pral nommer service sécurité président qui pral créer qui pral fonctionner en même temps que la garde présidentielle. En même temps tout, président Aristide pral mener une campagne pour charmer petit soldat yo. Li rele campagne ça mariage l'armée avec peuple là. Tim Tim. Rick. Dans la nuit 6 7 janvier. Qui est-ce qui te campé là? Est-ce que c'est pour nous capable gain démocratie? Est-ce que nous te coucher dans cabane nous? Est-ce que nous te lever campé? Est-ce que nous te prend la rue? Tim Tim. Est-ce que nous te prend la rue pour contre nous sans l'armée à pas avec nous? Est-ce que la mère était avec nous? Oui. Est-ce que la mère était avec nous? Oui. Qui dit la mère? Dis-nous. Qui dit nous? Dis la mère. Il va aller visiter garnison. Personnellement, il va le bailler grade. Il va distribuer l'argent avec faveur. Il va régler chirépit en soldat avec officier. Qu'on pas qu'était fort qui va le fait en gouvernement avec la mère tout pour craser bandit. Tout ça va le créer une illusion. Dans la tête en série de moun qui ont dit que Maria et ça a réussi. Mais militaire sous bois pa yo, yo gon paquet doléance. Yo gon paquet revendication. Yo pa vle nan kan application an, que conseil de nek qui vient entraîner là parce que yo dit que dans service sécurité président, ça fait songer tonton Macoute Duvalier. Le conseil de revendication qu'il a depuis 1986, Takoum Dadou, augmentation de salaire, assurance santé. Prosper Avril a commencé à faire, bagay sa vin tombé. Réouvrir chantier pour construire logement pour soldats qui était bloqué tout depuis le Prosper Avril a tombé.
ça pral passer. L'armée pral profiter de conflits qui gagnent entre exécutif aristidien et parlement qui dominé par Front National pour changement démocratie FNCD. Li pral profiter de ce que partisans président viennent de plus en plus tolérant avant y a menacé. Yo pral profiter de menaces qu'Aristide fait dans le discours 27 septembre 91 de l'Etefèque sur le Nouveau-Royal des Nations Unies. Balkalmérité, pas négligé, Balkalmérité. Joutil nous amène, instrument nous amène, constitution nous amène, pas négligé, Balkalmérité. Appareil nous amène, fluel nous amène, crayon nous amène, constitution nous amène, pas mérité, Balkalmérité. 291 l'an qui chita dans mes tête, ma côté pas de cheveux a dit, ma coûte pas la danse, ma coûte pas la danse, pas négligé, Balkalmérité. Tout pas dans quatre pays, on a veillé, on a prié, on a veillé, on a prié, l'en kebeyoun, pas négligé, Balkalmérité. Allons belles outils, allons bel instrument, allons bel appareil, les belles lichelles, belles brodées, les bandales en pépin, le bonheur, les sentis bon, tout côté au passé, on vit respirer. Les chitans, maman loi, pays qui dit ma coûte pas la donne, sale principal, c'est dit que tout pas de ville chercher. L'armée pral renverser gouvernement Aristide Préval là. Le 30 septembre 1991. Nous prenons le temps de commandant chef l'armée, général Raoul Cédras, qui a justifié coup d'État. Peuple haïtien, cet état de choses attentatoire aux libertés démocratiques ne pouvait plus durer. Le défi était à relever. Les forces armées d'Haïti, comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devait de répondre présente pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées. Pour le faire, mon boué pilule là, il dit que son correction démocratique, pour faire majorité haïtienne avec communauté internationale là, accepter coup d'État, il dit que Aristide était sorti de route Constitution, il était sorti de route démocratie afin de corriger ça. Mais cependant, la communauté internationale a signé une résolution dans Santiago du Chili, côté où a dit que tout pays, particulièrement ce continent américain, a fait plus solidaire entre eux depuis qu'un coup d'État qui fait dans une ladeur, tout fait plus condamné. Et ça a été fait 3 mois avant. Dans ce moment, il y a des questions qui sont très sensible. Qui peut avoir une réponse claire? Qui peut avoir une réponse certaine? Est-ce que force armée d'Haïti est capable d'entrer dans l'aventure coup d'État sans pas de garantie dans mon force étrangère? S'il te gagne, qui force ça et pour qui ça? En outre, général Raoul Cédras, commandant chef l'armée à l'époque, responsable coup d'État, qui a expliqué l'intention de Machli, de Mélèle. Bagaille politique, pas à faire la bête. Si j'ai fait président, si j'ai fait gouvernement, me demande que tout le monde prend responsabilité. Député et sénateur, pour aller régler l'affaire l'autre semaine. Premier ministre et gouvernement, pour aller monter tout à l'heure. L'armée pas la donne. Moi, je voulais que l'armée mérite le rôle. En même temps, moi, pas accepté, et pas accepté, le moyen de la l'armée. Tout changement a fait suivant le loi pays, avec règlement de l'armée. En tout cas, après 3 ans, de septembre 91 à septembre 94, après 3 ans de répression de partisans gouvernement Aristide en exil, après 3 ans d'embargo, d'isolement, d'occasions qui ont été ratées puis ont été sorties de la crise là,
La mer haïtienne t'a pral cassé en bas invasion. La mer américaine qui voue 23 000 hommes sous base résolution 940 l'ONU que président en exil la Jean-Bertrand Aristide demandé. Invasion ça que moun te pensé que t'a pral violent. D'après le fait pacifique à partir du 19 septembre 1994, grâce à un accord qui était signé dans Port-au-Prince entre le président haïtien de facto Émile Jolassin avec l'ancien président américain James Carter, que le président américain Bill Clinton dévoyait en mission en Haïti, accompagné de Colin Powell et de sénateur Sam Nunn. Le 15 octobre 1994, Jean-Bertrand Aristide, le tournait devant palais national, voye parole sa yo monté, li fait promesse sa yo, li baille intention sa. Chaque jour, continuez marcher main dans la main, ni ak militaire haïtien qui veut la paix, ni ak militaire américain qui a vidé sécurité à gogo, ni ak force multinationale là qui a baille sécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moi vin pote cœur posé pour nous. Officiers, sous-officiers, soldats, moi vin pote cœur posé pour nous. Main dans main avec, ensemble, n'a rebâti pays noir dans bon avant réconciliation. De septembre 1994 à 1995, malgré sa résolution 940 Nations Unies, ont dit qui demande au gouvernement haïtien professionnaliser l'armée, créer une force police séparée. L'armée d'Haïti, yo pral prend archive li, yo pral prend tout matériel lourd li, yo pral prend kazen li. Mam yo pral vin réduit à zéro. En pile là nan yo pral voye yo aller. Yo pral retirer tout droit yo pou yo gen pension yo. Sak pral nan prison, sak pral pran exil. Certain yo pral touye yo. En deux fois, c'est force américaine yo même qui fait. L'autre fois, c'est des moun que personne pas réussi identifier. Au lieu que l'armée nettoyée, au lieu que l'armée modernisée, j'ai une résolution 940 l'ONU a demandé, yo voye l'aller brutal. Quelques anciens militaires, yo pral kembe yo comme pendant un temps comme policiers. Après ça, yo pral vraiment faire entrer dans nouvelle police nationale. En 1995, ministre défense là à l'époque, un général retraité, Wilton Lérisson, dans une phrase pral déclarer: les forces armées d'Haïti n'existent plus. Forces armées d'Haïti pas existé encore. C'est un acte qui était posé sans respecter la constitution haïtienne qui reconnaît l'existence de l'armée et sans faire paraître une loi qui éliminait sa relais fonction militaire. C'est un acte qui était posé alors que il était dit que le gouvernement cotonnait. C'était l'ordre constitutionnel qui te retournait, mais esprit constitution, lettre constitution 87 là, il était trahi. Et ça, communauté internationale là, qui te met le pays à son embargo pendant 3 ans, qui te détruit l'économie, qui te détruit finance li, pour soi-disant faire retourner processus démocratique, processus constitutionnel, n'est pas dit rien. Histoire. La médaille donc qui j'en monde nous capable de résumer. Au monde nous capable de dire, on sait une histoire de conflit parfois violent avec un pile couche dans la société. Dans le 20e siècle, surtout à partir de 1915, son histoire de mettre au garde à vous devant intérêt étranger yo. Protéger régime qui puis arriérer dans le 20e siècle.
son institution qui te manqué pensée, son vision qui pour t'aider moderniser pays a tout défaut ça yo. C'est eux même qui fait que militaire qui t'a conduit institution hein, yo pas jamais réussi garder qui route pour te fait, pour pas tomber dans piège. C'est tout ça qui fait tout que l'armée vient craser. Et en plus de tout ça, on a ambition officier, remet l'argent, soif politicien civil qui était humilié dans vie, qui était rancunier, puis au point où revanche. C'était nous Vincent, François Duvalier, Jean-Bertrand Aristide. L'armée d'Haïti pas sous scène histoire pays encore, mais Haïti pas résout problème ni pour autant, parce que l'armée c'est ton parti, une expression problème non, c'est pas Jean-Pierre Mounkwe problème pays d'Haïti. C'était Haïti, l'armée, la politique, l'histoire. Nous sortons des émissions Rendez-vous à l'histoire d'Haïti avec professeur préféré, historien Michel Soukar. Nous cassons rendez-vous pour semaine prochaine pour une autre émission encore. C'est actrice noire Fabienne Cola qui a dit nous à très bientôt.